L'autre jour, mon papa m'a dit que les Américains, qui inventent toujours des choses extraordinaires, avaient fabriqué dans une usine géante et ultra-moderne un trou gigantesque comme on n'en avait jamais vu. Tout le monde en parlait. Et les Américains, qui sont souvent contents d'eux-mêmes, en parlaient plus que les autres. C'est normal. Ensuite, ils ont transporté le trou sur une plateforme roulante, géante et ultra-moderne. Et après une courte cérémonie, ils ont dévoilé le trou. Et l'ont installé au centre d'une place immense, afin que tout le monde puisse les voir. La plateforme... La place, les Américains, et le trou, bien entendu, c'était très impressionnant. Alors bien sûr, il était interdit de s'en approcher, parce qu'un trou, même américain, ça reste dangereux. Mais... une dame, imprudente évidemment, et qui voulait rattraper son chien, imprudent lui aussi, s'est approché du bord. Ils sont tombés tous les deux dans le trou, la dame et son chien. Alors les Américains ont dit qu'ils étaient désolés, mais que ça n'était pas si grave, car il pensait pouvoir rattraper la dame. Une Américaine aussi, je crois. En fait, ils avaient tout prévu. Ils avaient conçu une machine spécialement faite pour rattraper les gens et toutes les choses qui pourraient tomber dans le trou. Trop fort! Mais... au moment où le plateau est remonté à la surface, dessus, il y avait plein de fois la dame. Et son chien, évidemment. Alors, les Américains étaient bien embêtés. Parce qu'ils ne savaient pas laquelle des dames était la vraie. Et les dames non plus. Elle ne savait pas laquelle d'entre elles était la vraie. Et les chiens encore moins, vous pensez bien. Mais les Américains, qui trouvent toujours des solutions à tout, ont dit que ça n'était pas si grave. Et ils ont construit illico une maison moderne pour chaque dame, avec tout ce qu'il faut dedans. Et même des niches. Pour les chiens. Il paraît que le mari de la dame, lui, il n'était pas très content. En tout cas, mon papa, lui, ça l'a bien fait rigoler. Il a lu aussi dans une revue scientifique qu'en fait le trou américain était vraiment sensationnel parce qu'il suffisait d'y plonger quelque chose pour qu'il soit tout de suite copié en plein de fois. Des boulettes de viande, des sandwichs, des films de science-fiction, des bouteilles de Coca-Cola, des bandes dessinées, tout ce qu'on veut quoi. Alors bien sûr, de temps en temps, il
y avait bien l'imprudent qui tombait dans le trou. Mais les Américains disaient que ça n'était pas si grave. Ils construisaient illico une maison moderne pour chaque copie d'imprudent. Mais l'autre jour... il y a un bandit vraiment méchant qui s'était évadé du pénitencier et qui, pour échapper aux policiers qu'il poursuivait, a sauté dans le trou. Alors là, les Américains ont dit que c'était beaucoup plus embêtant que pour la dame et son chien, par exemple. Ils ont engueulé la police. Faut voir comment, hein. Ils les ont traités d'incapables, en américain, devant tout le monde. Hein. Ouais, mais tu viens tel bandit, non, mais vous vous rendez pas compte. Et patati patata, c'était vraiment très impressionnant. Ensuite, ils ont envoyé des agents secrets, des forces spéciales super entraînées, dans le trou pour attraper les bandits qui s'étaient cachés. Et ils en ont rattrapé plein, hein. Mais pas tous à ce qui paraît. Ensuite, ils ont construit une super grande prison, moderne et solide, pour y mettre les bandits qu'ils avaient récupérés. Et puis aussi des maisons modernes, avec tout ce qu'il faut dedans pour chaque copie d'agent secret en trop. Mais, comme il faisait très noir au fond du trou, qu'il était super profond, il restait des bandits qui s'étaient cachés. Et ils avaient peur qu'ils en profitent pour s'échapper, les Américains. Alors, ils ont rangé le trou en lieu sûr, en attendant de trouver une autre solution. Et en faisant bien attention de ne pas abîmer tous ceux qui étaient restés au fond du trou. Parce qu'ils ne plaisantent pas avec la sécurité des Américains. C'est bien connu. D'ailleurs, mon papa m'a dit que l'autre jour, ils avaient construit une super grande usine moderne pour y fabriquer un super grand trou, beaucoup plus grand, beaucoup plus sûr et beaucoup plus sécurisé que le premier. Mais on raconte que le trou était si immense que l'usine est tombée dedans avec tous les équipements qui coûtent cher et les machines ultra modernes et puis des immeubles, des appartements et aussi l'autre trou rangé en lieu sûr. Tout avait été englouti, disparu, avalé. Et là, les Américains n'ont rien dit. Ça doit être grave, a dit papa. Il y a quelques jours, le président des Américains a fait un grand discours à la télévision pour annoncer que désormais tout était réglé, que tout était rentré dans l'ordre. Il a même terminé son discours en disant « Vive le progrès en Amérique !» Mais il y en a qui disent que ça n'était pas le vrai président. Que le vrai président, lui, il était tombé dans le trou durant la grande catastrophe. N'importe quoi. Le président, le vrai président.
après son discours télévisé. Il est rentré chez lui. Dans sa grande maison moderne, avec tout ce qu'il faut dedans. Parce que le président américain, c'est un homme. Comme les autres.